Je suis Elisabeth Joseau, j'ai 35 ans, je suis infirmière anesthésiste, j'ai 5 enfants, j'anime des réunions de mères de famille autour de sujets d'éducation et qui sont à l'initiative des associations familiales catholiques. Alors le thème d'aujourd'hui, la paix dans la famille. Clément, est-ce que tu veux commencer en nous donnant un exemple précis ? Avant-hier soir, on devait partir. On a commencé à entendre des fusions d'insultes, des pleurs. Prends un peu de temps avec chacun. Moi, je suis là pour permettre aux mamans de trouver les mots justes et donc de réfléchir à leur motivation dans leur façon d'éduquer leurs enfants. Ce qui est très important, c'est l'écoute. Une écoute qu'on appelle active, ça veut dire qu'il doit être vraiment au service de la personne qui parle pour l'aider à être vrai, sincère. C'est important de faire. Je tiens beaucoup à ce qu'il y ait ce silence complet quand les personnes parlent, qu'il n'y ait pas de commentaires et qu'il n'y ait pas de jugement. J'ai décidé de rentrer dans ces réunions d'éducation pour me permettre en fait, de prendre du recul et m'aider à mieux faire auprès de mes enfants, d'être plus ajustée et de ne pas juste répéter ce que j'ai reçu comme éducation ou prendre le contre-pied de ce que j'ai reçu. C'est-à-dire que je crie. Je crie et si je suis enfermée dans cette colère, je n'arrive pas à me dire « Allez, calme-toi ». Voilà. Quand tu sens que ça monte, est-ce que tu as des choses que tu mets en place ? C'est une passion personnelle pour moi de pouvoir aider les gens à être entendus et surtout à parler. Les aider aussi à aller chercher au fond d'eux. Pour avoir des bons moments, bien sûr. C'est un vrai bonheur de les voir repartir avec une solution parfois ou une prise de conscience. Je trouve ça très satisfaisant de voir parfois des choses se débloquer au sein de ces échanges. De bonne humeur. Moi, ce que j'ai envie de faire passer aujourd'hui, c'est l'importance de se réunir pour réfléchir ensemble des problématiques éducatives, parce qu'aujourd'hui, on est beaucoup trop seuls et trop démunis sur ces sujets-là.